Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh là là, il y a du soleil aujourd'hui, ça fait trop du bien. Et je suis avec mon frère de crâne. José. Bonjour les bandits. On n'a pas le masque, attends, on n'a pas le masque. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est bon, on a fait des tests, on est ok. Il fait trop beau, ça fait trop du bien. José, il est venu quelques jours, bah, il nous a rejoint. Il devait venir une semaine ici, mais en fait, comme on s'est rejoint au SVA, il a passé 2 jours là-bas et moins de jours ici, un peu plus de temps sur la route, mais c'est pas grave, on a passé du bon temps. C'était trop bien. José, il est en train de nettoyer un petit peu toutes les branches qu'on avait mis, qu'on avait laissé poser là avec Yo-Yo, parce qu'il fallait absolument qu'on finisse le pont. Et vous avez vu sur Insta, on sait pas trop si on devait vraiment partir tout de suite en Afrique ou si on devait se faire un petit peu d'Espagne-Portugal, mais on se rend compte aussi que quand on se renseigne bien avec des personnes qui vivent là-bas, c'est pas top. En Espagne et au Portugal. Donc, on va faire un mix des deux. L'important, ça va être de finir le camion, les choses qui sont vraiment prioritaires et le terrain un petit peu secondaire. Donc aujourd'hui, comme il fait beau, je me mets à fond sur le réservoir. Il faut que je lui remette des nouveaux... comment ça s'appelle ? Caoutchouc. Des nouveaux caoutchoucs au niveau des fixations du réservoir. Il faut que je regarde aussi pourquoi le V-Basto, pourquoi il ne fonctionne pas quand on roule. Il doit prendre des bulles d'air, donc je ne sais pas. Je vais voir ça. Je pense qu'en démontant, je vais pouvoir voir d'où ça vient. Et sinon, je mettrai un réservoir séparé. T'en as ? Non. Tu mets une jerrycan enfin, ouais, un jerrycan de 20 litres. Oh, si, je veux voir. Mais je ne l'ai pas gardé. Le réservoir d'origine qui te donne un petit réservoir transparent. Ouais, je l'ai donné à Jean-Philippe, je crois. Ah, je l'ai mis, moi. Ah bon ? Ouais. Bon, bah, dans tous les cas, on a du boulot ici à faire, donc on se met à le faire. Et surtout quand il fait beau, bah voilà, si c'est pour. On lui dit oui, mais si c'est pas grave, si t'es en Espagne et que t'es bloqué, tu reviens. Non, mais 25 litres au 100, c'est pas le but de cramer non plus trop de gasoil comme ça. Il n'y a pas 500 km comme au SVR, il y a beaucoup plus. Puis le truc, ça dépend combien de temps qu'il te laisse pour remonter. Et voilà, c'est ça. Alors si c'est pour être bloqué en Espagne, puis pas avancer sur le terrain. Ouais. Pas évident, comme décision. Pas évident du tout. Allez, on se met sur le réservoir, on va voir. On va réparer la fuite parce que j'ai une petite fuite de gasoil. Et on va voir d'où vient le problème du V-Basto, du planard, je veux dire. Quand j'aurai le temps, je viendrai aider José, puis quand lui il aura le temps, il viendra m'aider aussi un peu. On va faire un travail d'équipe. Regardez, j'enlève mes outils et je m'aperçois qu'en fait c'est passé partout. Mais c'est pas la boue quand on a été faire du tout terrain, c'est quand j'ai passé au Karcher, c'est passé par là. Et ça a tout rempli. Donc bah voilà, déjà un premier petit défaut. Je vais reboucher aussi ce trou là et celui qui est au bout. Et je vais tout nettoyer. Cette planche là, c'est celle qui était au fond pour renforcer, je l'ai nettoyée, je vais pouvoir la remettre tout à l'heure. Et là, on va démonter cette plaque-là, cette barre ici, et on va sortir le réservoir pour lui mettre des nouveaux supports en caoutchouc pour éviter que le réservoir touche le châssis et qu'au final, ça le coupe ou quoi. Et on va refaire aussi la fuite de gasoil. Allez, hop, c'est parti. With you, the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. La plaque est démontée, on avait une petite fuite de gasoil, donc ça a fait un petit peu cailler la peinture qui était fraîche, mais au final ça n'a pas rouillé. Donc là, il y aurait peut-être moyen de faire un truc, et je viens de me rendre compte qu'ici en fait, ni plus ni moins, comment dire ça correctement, c'est un nid à merde. Voilà, il y a toute la boue qui vient stagner ici, et ça va pas. Alors je peux régler le problème en faisant des trous partout. Ou alors je fais des genres de petites saignées. Là ça va, c'est pas grand chose, mais vous imaginez au fur et à mesure des kilomètres, autant se débarrasser de ce souci maintenant. Le tout n'est pas d'évacuer l'eau, mais il y a beaucoup de sable, regardez. J'ai du sable, j'ai de la terre. Là je vais démonter mes colliers qui arrivent dans mon réservoir, on va sortir le réservoir. Normalement on a fait exprès de rouler, on arrivait quasiment en réserve. On doit vraiment être en bas. De toute façon, le planard, il fonctionne pas, il n'arrive pas à chercher le gasoil. Donc, il ne nous restait vraiment très peu de gasoil. C'est pour ça que j'ai fait ça, pour que ce soit moins lourd à sortir. Regarde. Ça veut dire quoi ? Il est rempli ? Ça veut dire que chouchou, ça veut dire que quand il disait qu'on était en réserve, là, ça marche bien. Regarde. Non, il est vide. Je sais même pas s'il reste 20 litres. Oh, on est passé à deux doigts de la panne. En fait. On est... Oui, mais le chauffage, c'est pas grave. Mais on est rentré à 4h du matin dans la pampa, là. Si on tombe en panne, mais regarde, au final ça a fonctionné parce que je pourrais presque le sortir tout seul si je veux, regarde. Je rigole. On va le sortir à deux, mais... Attends, je l'ai pas. Hein. Tu l'as ? Ah voilà. Oui, il est vide. Ah, il est vide, hein. Bah, c'est pour ça que ton chauffage... Voilà, tu vois, il y a un truc à faire absolument ici, ça va pas du tout. Tu le démontes pourquoi déjà ? Parce qu'il faut que je change ça, tu vois, c'est de la mousse. Ça, je l'ai pas expliqué, bah, ça va me permettre de vous l'expliquer maintenant. Ça, c'est une fixation que j'ai fait sur mesure. Mais j'avais pas encore de caoutchouc, Max il me l'a donné 2 jours après que j'ai monté le réservoir comme par hasard. Oui. Et je l'ai gardé ton caoutchouc, hein, Max. Et j'avais mis ça, tu vois, c'est déjà tout parti. J'avais mis un peu de mousse. Ah oui, c'était important ça. Et des fines bandelettes, ça c'était de la mousse à la base. Okay. Regarde. Voilà, donc on a du caoutchouc vraiment prévu pour, plus sérieux.
je vais refaire le tour parce que j'aurais pas envie que mon réservoir il se cisaille à force avec les vibrations sur le châssis. Bon, autant vous dire hein, que ce que j'ai fait, ça allait pas du tout. Bah regardez déjà le scotch avec la. Bah rien qu'avec l'eau et les hydrocarbures, bah il se décolle entièrement. Au moins c'est facile à démonter. Mais ça aurait pas tenu longtemps. Donc je pense qu'à terme on aurait eu des soucis avec le réservoir. We could drive along an ocean reflecting the sun. Or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you. To feel the dew on your skin, that is how it would begin. Bon alors dans un premier temps, ce que je vais faire ici, c'est que je vais refaire le joint. Voilà, on a un joint ici qui a mal vieilli, il est devenu assez dur. Et comme j'ai pas ce qu'il faut pour le changer, on va tout simplement mettre de la pâte. De la pâte à joint qui est tout aussi efficace que de remettre un joint neuf, en fait, tout simplement. Donc pour que ce soit efficace, il faut vraiment bien dégraisser. Moi, j'utilise du dégrais sans frein. Donc c'est un joint qui faisait plus étanchéité. Quand j'avais le plein, à force que le gasoil y secouait, ben, ça sortait tout simplement par le gros trou qui est là. Regardez Charlotte qui rentre des courses. Elle prend la brouette, elle met ça au bout du chemin. T'as fait tomber mes boules au fromage. Des boules au fromage, c'est des boules au miel. J'ai décidé de mettre du double face pour coller cette petite bande en caoutchouc. J'ai pensé à la néoprène, mais j'en ai plus. Et là, vous êtes devant votre écran en train de dire non, mais pas ça, ça va pas tenir, Jérémy, non. Mais oui, mais j'ai envie de le faire tout de suite. Alors du coup, je me dis de la néoprène, c'est bien. Mais ça, ça collera. Une fois que ça va être serré sur le réservoir, ça bougera plus. Voilà, c'est ça qui m'a donné Max Edouane de la bandelette caoutchouc. Merci à toi, Max, si tu regardes la vidéo. Oh, ça colle bien. Non, sérieusement, ça colle bien. Eh bien, j'ai juste envie de dire, on va se retrouver demain. Parce que là, il commence à faire noir et là, c'est fini. On ne peut plus bricoler jusqu'à 20h comme avant en été. Sachant qu'ici, on est dans une petite forêt et il fait noir assez tôt. Donc, j'ai fait voilà, des rectangles pour que tout s'évacue en dessous. Et comme ça, je garde le bois en support parce qu'au final, le bois, il me servait pour supporter ça. Je vous dis au revoir, on se dit à demain. Mais qu'est-ce que vous voyez là? C'est le réservoir qui est monté. Hier, ça nous a pris comme ça d'un coup. Il commençait à faire noir avec José. On a dit, il a dit, vas-y, viens, on est chaud, on le remonte. Puis du coup, on l'a remonté avec les lampes et tout. On a bien mis la bande de caoutchouc que j'ai collé avec du double face sur le métal. Maintenant, c'est bon, c'est tellement serré en pression que ça devrait plus partir. Là, le réservoir, il ne bouge plus. On est tranquille de ce côté-là. Par contre, j'aurais dû faire ma fuite et j'ai pas pensé hier. Quand j'avais pas mon réservoir, ça aurait été plus pratique. Donc je vais le faire maintenant. Je vais chercher le tuyau, on répare tout ça. Et ensuite, bah voilà, faudra aller chercher du gasoil en 2-3 fois parce qu'il doit nous rester 20 litres. Et si c'est pour démarrer le camion et qu'il n'y ait pas assez de gasoil, ça sert à rien. Il va se vider, il va se désamorcer. Donc là, j'ai juste le tuyau qui s'est vidé un petit peu d'arrivée de gasoil. Je vais pas avoir de mal à le réamorcer. On va faire vidange moteur, boîte de transfert, boîte de vitesse, pont arrière. On va faire les vidanges, comme ça on sera tranquille. On veut vraiment être opérationnel s'il faut partir. Et au final, on a fait une liste avec Charlotte hier. Il reste pas tant de choses que ça à faire. Là, je vous ai dit toutes les vidanges. Le réservoir, c'est fini. La fuite, c'est bon. Le V-Basto, on va sûrement lui coller un petit réservoir à côté. J'ai commandé mes feux de gabarit qui sont cassés. Donc j'ai pris des petits feux LED. Et ben on n'a plus grand chose. Hein. C'est quasiment tout en fait. Hein. Je pensais qu'on avait beaucoup plus de choses. J'ai cassé mon flexible de pompe pour lever la cabine. Je sais pas si je vous l'ai dit. Là, je m'en veux un peu parce que j'ai pas vidé la cabine. J'ai voulu la lever un peu juste pour passer le Karcher. Et en fait, j'ai forcé. Puis là, il y a un tuyau qui a fait pouf, qui a pété. Et ben voilà, façon, fallait les changer. Ils étaient squintés. Donc, quand la mini-pelle va partir, on va lever la cabine, on va la bloquer. Et je pourrais changer ça librement parce que là, pour l'instant, je peux pas y toucher. Mais c'est bon, j'ai eu les adresses. Je vais pouvoir refaire ça, les tuyaux hydrauliques sur mesure. Je vais changer tous les tuyaux, il y a au moins 6-7 mètres. Parce qu'il y en a qui reviennent, il y en a qui repartent, il y en a qui vont à la serrure. Et ça, faut le réparer absolument. Vaut mieux que ça casse ici qu'en voyage. Et la peinture aussi, il faut finir la peinture. J'aimerais bien finir la peinture. Et commander les stickers, tout ça, pour être tranquille. Yeah.
je vais essayer de bien vous montrer, mais c'est pas facile. En fait, avant, j'avais un raccord comme à droite, vous savez, mais ça fuyait. J'ai essayé de remettre les petits raccords exprès, ça va pas, j'en avais plus. Du coup, j'ai coupé ce que vous voyez ici. Lui, si vous voulez, il fuit pas. Donc lui, je l'ai laissé et j'ai coupé ici sur l'autre. Voilà, j'ai coupé là et en fait, je suis venu tout simplement venir remettre une durite que j'avais achetée. Et là, ça revient sur un plastique dur qui est branché là-bas. Vous voyez que le petit serflex. Ensuite, sur la gauche, ici, c'est le basto que j'ai remis. Il faut juste savoir que pour le faire fonctionner, bah, il faut pas qu'on soit en réserve parce que sinon, il n'arrive pas à aller prendre le gasoil. Et c'est une sécurité que j'avais fait en fait, je m'en souvenais plus. C'était pour éviter tout simplement de tomber en panne de gasoil à cause du chauffage. Donc je me dis, vaut mieux dormir une nuit au froid et pouvoir repartir le lendemain que de pomper le gasoil, vous savez, sans faire attention. Mettons, on reste posé une semaine et en fait, on ne fait pas attention, mais ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et du coup, on ne peut plus démarrer le lendemain. Donc ça, je l'ai laissé. Et par la suite, peut-être qu'on mettra un réservoir additionnel, mais j'aurai quasiment pas de modif à faire. Hein. J'ai juste un petit T à mettre et je ferai tourner avec le réservoir du véhicule ou alors avec le réservoir additionnel quand on roule pour que ce soit moins gênant. Tout est entièrement remonté. Ici, je vais faire un gros nettoyage et je vais boucher avec de la colle PU les petits trous. Vous avez vu en début de vidéo qu'il y a de la boue qui était passée par là. Ces joints-là, je dois les refaire. C'est noté sur notre petit carnet. On s'est fait une petite checklist avec Charlotte de tout ce qu'il y a à faire. Et ceux-là, ils sont inchangés. En gonflement, ils font 1,5 cm, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est beaucoup trop. Voilà, vous voyez, on n'arrive même plus à fermer la porte quand il y a longtemps qu'ils sont ouverts. Et en plus, ils s'enlèvent de leur logement. Donc, ça va pas du tout. On peut remettre les mêmes, mais je pense que des 8 mm, ça suffirait en gonflement. J'ai remis les petits renforts. Vous avez vu, il y a plein de griffes partout. Et heureusement que je l'ai mis, ce petit cache. Parce que bah, ça sert bien et ça évite de taper dans le réservoir. Vous pouvez voir aussi ici que le filtre air a été démonté. J'ai démonté pour prendre les références et en fait, il y a un double filtre air. Voilà, je ne l'avais pas vu, mais il y en a un petit à l'intérieur et un gros comme ça. Donc celui-là, je vais le remonter et on va commander tout ça sur mon petit site préféré, Tot Chrono. Ça sera dans une prochaine vidéo, révision mécanique avec le changement des filtres à huile, la vidange, changement des filtres à air et j'ai acheté aussi un peu de stock, comme ça on sera tranquille. Dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Regardez, je voulais le faire maintenant, mais je pense qu'on va faire une vidéo entièrement consacrée à ça. On va changer les câbles des treuils. Voilà, on va mettre ça, de la corde synthétique Dynema. Dynema. J'avais jamais réussi à le dire. Dynema. Dynema. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est de la corde synthétique qui est hyper dure. Donc celle-ci, c'est de la 14 tonnes. C'est quasiment le même diamètre que j'avais sur mon câble avant. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Et tout ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Voilà, on va changer tout ça. Il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire avec cette corde. Pareil, on vous expliquera tout. Et on pourra faire quelques tests. Voilà, dans tous les cas, j'ai pris 30 mètres de chaque pour devant et pour derrière. Je me suis fait fabriquer aussi une sangle pour tirer d'autres véhicules ou pour se faire sortir quand on aura besoin. Et aussi, j'en ai repris de la petite cordelette qui fait 6 ou 8 tonnes. Pareil, pour fabriquer des petites élingues. J'ai pris des sangles aussi pour mettre autour des arbres avec des manilles. On s'est vraiment équipé et là, je pense qu'on est OK pour tout ce qui est tirage. Il faut pas lésiner là-dessus parce que quand vraiment vous êtes en galère, bah, quand vous pouvez pas vous sortir parce que vous avez pas la bonne manille ou pas la bonne corde ou que vous l'avez pas tout simplement, c'est rageant. Quoi. Tout ça dans la prochaine vidéo. Et puis, on a du mal à se remotiver. Franchement, c'est pas évident, on n'a qu'une envie, c'est de tracer la route, mais on a beau se renseigner à droite à gauche, il faut attendre. La chose qu'on apprend à faire avec le temps, attendre, c'est pas facile quand même. Mais au final, on se dit, on est quand même bien, que ce soit sur le terrain ou qu'on soit dans cette région-là, on est vraiment quand même bien. Il faut prendre vraiment ça du bon côté et les jours de beau temps, je me mets vraiment à fond sur le camion et quand il fait moins beau, ben, je me mets un ciré et puis je vais débroussailler, je vais couper du bois. Ouais. On se retrouve dimanche, si vous voulez, on pourra parler de tout ça, de l'actualité en live. Ça, et on répondra encore à vos questions parce que vous êtes nombreux à avoir encore beaucoup de questions à nous poser. Il n'y a pas de souci, on va y répondre. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.